quatrième théorie politique, c'est l'invitation de réactiver l'imagination dans le domaine du politique. Parce que aujourd'hui, on assiste à le processus assez, assez important au niveau idéologique. Vers la fin du XXe siècle, c'est l'idéologie libérale qui a vaincu ses adversaires contre lesquels le libéralisme luttait pendant environ 2 siècles. C'est-à-dire fascisme et le communisme. On peut considérer le libéralisme comme la première théorie politique qui s'est apparue avant les autres et qui existe aujourd'hui, qui a survécu les autres, mais aussi on peut nommer seconde théorie politique, marxisme, qui apparaît ensuite et qui était, disons, la critique plus importante de libéralisme capitaliste. Encore, il existait troisième théorie politique qui englobe en quelque sorte le fascisme, le national-socialisme et les autres idéologies politiques de troisième voie, de troisième position. Et pendant la lutte pour le sens de l'histoire politique qui était acharnée pendant le XXe siècle, c'est le libéralisme qui s'est prouvé d'être le vainqueur des autres théories politiques. Non pas physiquement dans la lutte des grandes guerres, mais aussi au niveau théorique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le libéralisme triomphant qui a vaincu résolument ses ennemis. Premier, seconde et troisième théorie politique. Donc, communisme et fascisme. Communisme, communisme était vaincu dans 91 et fascisme dans 45. Donc, on a dans la situation où il y a seulement une théorie politique dominante, c'est-à-dire le libéralisme, première théorie politique, et c'est tout. Mais le libéralisme a beaucoup de choses positives et beaucoup de choses négatives. Au moins, toujours, quand nous avons l'affaire avec l'homme qui est l'être libre, on peut dire oui, on peut dire non. Si il y a le libéralisme comme l'idéologie dominante, on toujours peut dire oui au libéralisme, mais aussi non au libéralisme. Quand on dit oui, on se trouve dans le conformisme plus ou moins habituel. On a l'affaire avec les gens qui pensent comme il faut, ou qui ne pense du tout, qui ne pense pas du tout. Donc, c'est clair. Mais si l'homme qui voudrait insister sur sa liberté d'opinion, sa dignité d'espèce humaine, dit non au libéralisme. Si on veut proposer quelque chose d'autre, on fait l'appel à deux idéologies qui étaient contre le libéralisme pendant le XXe siècle. Au communisme, au socialisme, à toutes les versions de théorie seconde théorie politique, socialisme, marxisme, communisme, etc. On fait l'appel à plus rarement, on fait l'appel aux théories de troisième voie. Pourquoi ils sont nécessaires? Parce qu'ils donnent la possibilité d'être contre. Mais c'est la dignité humaine qui consiste précisément dans la possibilité du choix. Mais quand on, aujourd'hui, en refusant la domination de la première théorie politique, cherche l'alternative,
on a besoin de faire appel à deux idéologies qui historiquement ont perdu le camp. Donc, on est destiné d'être aux côtés des gens qui ont perdu tout. Et c'est, ça crée une situation paradoxale. On est toujours dans le passé si on veut s'opposer au présent. Et mon idée, à moi, qui partage certains nombres des intellectuels non-conformistes actuels, par exemple Alain de Benoist ou les autres, en France Alain de Benoist surtout, c'est proposer la création ou l'imagination de la quatrième théorie politique qui sera d'un côté l'opposé au libéralisme, mais d'autre côté qui ne serait pas ni deuxième ni troisième théorie politique. Donc, opposé au libéralisme, non pas communisme, ni socialisme, ni fascisme ou nationalisme. Donc, qu'est-ce que pour faire ça, pour élaborer la quatrième théorie politique, il faut repenser qu'est-ce que c'est le libéralisme et qui est aujourd'hui, qui aussi a changé considérablement parce que il était l'idéologie politique quand il y avait le libéralisme avait les ennemis formels. Donc quand il y avait les autres théories politiques qui s'opposaient à lui formellement. Dans ce cas, le libéralisme est on pouvait être attirant, pas attractif, parce que attirant, parce que il opposait aux deux formes de totalitarisme, totalitarisme d'un type soviétique, socialiste, et au totalitarisme d'un type fasciste. Donc, la liberté était suffisant comme le slogan pour proposer l'opposition ou l'alternative par rapport à deux formes de totalitarisme, de gauche ou de droite. Aujourd'hui, c'est fini avec le totalitarisme de gauche et c'est fini avec le totalitarisme de droite. Donc, on se trouve en présence de situations tout à fait originelles, parce qu'il y a le libéralisme, il n'y a pas l'alternative. Et quand, ici, avant, c'était suffisant de dire non au totalitarisme pour arriver à la défense du libéralisme, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, parce que plus ou moins, la démocratie libérale s'est triomphée d'une manière universelle dans toute la planète. Donc, aujourd'hui, le libéralisme doit répondre à certaines aspirations positives. Donc, être contre le totalitarisme, c'est bien. Mais être pour quoi ? Pourquoi être ? Et si c'était suffisant quand il existait, théoriquement et pratiquement, en réalité, les régimes totalitaires, aujourd'hui ce n'est pas suffisant. Donc, libéralisme doit répondre quels sont les buts positifs. Mais c'est le problème, parce que le libéralisme était conçu comme la liberté de, et non pas comme la liberté pour. C'était John Stuart Mill qui a précisé ça. Que le libéralisme, comme l'idéologie politique, insiste sur la liberté de toutes les formes, des liens qui limitent l'individualité humaine, mais qui ne posent pas le but qui dans, aussi pourrait limiter cette liberté. Donc c'est toujours la liberté négative qui est la liberté de libéralisme. Quand c'était quand le libéralisme était confronté contre les totalitarismes concrets, c'était suffisant, c'était assez. Mais maintenant, ce n'est pas plus assez, ce n'est pas plus suffisant. Donc, libéralisme se trouve devant le défi d'imaginer contenu positif. Mais c'est impossible parce que ça va contre
la nature même du libéralisme. Et dans la situation actuelle, le libéralisme aussi se change dans quelque chose comme post-libéralisme, parce que le post-libéralisme, c'est le libéralisme sans ennemi. Donc, il découvre sa nature nihiliste et totalement négative. C'est la négativité absolue du libéralisme qui s'ouvre aujourd'hui. On peut dire, encore une fois, oui à cette négativité. On peut être, disons, séduit par le néant, la volonté au néant, comme disait Gilles Deleuze, mais on peut dire non. Et si on refuse cette négativité absolue du libéralisme dans les situations concrètes, on est obligé de proposer quelque chose d'autre. Si on propose, encore une fois, fascisme ou communisme, on fait l'appel au totalitarisme dépassé déjà. Et donc, quand on évoque communisme ou fascisme, on renforce seulement le libéralisme parce que, voilà, le libéralisme obtient de nouveau ses arguments libéral. Donc, nous allons lutter contre néofascisme, néocommunisme, pour ne pas laisser retour en arrière. Donc, c'est donc en faisant l'appel à deuxième et troisième théorie politique, et même à certaines synthèses entre eux, comme les nationaux bolcheviques proposent. Et avant, je pensais qu'on doit joindre toutes les formes opposées au libéralisme pour arriver à créer quelques, oppositions viables. Mais je crois que ça n'est pas suffisant non plus, parce que quand on fait l'appel au communisme et au fascisme, on renforce, on donne au libéralisme de nouveau les raisons qu'il est en train de perdre. Donc, il faut pousser en avant celui qui tombe, comme Nietzsche disait. Donc, il faut s'en finir avec le libéralisme en laissant le libre d'être soi-même dans les conditions actuelles. Cette idée, et si on voulons opposer au libéralisme quelque chose, et on a toujours le droit de le faire par la dignité humaine, donc on doit opposer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est la quatrième théorie politique. En quoi consiste la quatrième théorie politique? Pour l'instant, ce n'est pas qu'une invitation. Une invitation d'imaginer quelque chose de nouveau, mais de nouveau assez concret. Concret dans le sens que ça devra être l'opposition par rapport au libéralisme triomphant, mais ce ne devra pas être ni communisme, ni fascisme, donc ni seconde, ni troisième théorie politique. Mais en même temps, dès qu'on est d'accord avec ça, on se trouve dans une situation assez intéressante. Si on considère les trois idéologies qu'on refuse dans la recherche de la quatrième théorie politique, on remarque, on se rend compte que précisément ces trois théories politiques, tous ensemble, sont trois expressions ou manifestations politiques de la modernité. Donc, ils en quelque sorte représentent la modernité dans le politique. Et si on se trouve dans les devant la tâche de refuser trois théories politiques, donc on doit refuser la modernité. Où on est dans ce cas devant situation intéressante, parce que on peut faire appel à la pré-modernité, donc aux théories politiques, aux formes politiques de la société traditionnelle,
si on refuse la modernité, ben en même temps, on peut faire l'appel à la postmodernité. Au groupe, disons, des philosophies et des approches sociologiques qui refusent la modernité au nom de quelque chose d'autre, postmoderne. Donc, on peut créer la synthèse entre la prémodernité, l'ordre traditionnel, et postmodernité, donc la critique de la modernité, est proposée en basant sur cette invitation, quatrième théorie politique. Quand on passe à la réalisation concrète, disons, de la structure de la quatrième politique, théorie politique, on est obligé, pour commencer, de choisir le sujet, l'acteur. Parce que, dans la première théorie politique, c'était l'individu qui était l'acteur central. Dans la deuxième théorie politique, c'était la classe. Et dans la troisième théorie politique, c'était l'État pour les fascistes, les races pour les national-socialistes. Tous trois acteurs étaient créations modernes, étaient le conseil de la modernité, totalement inconnu ou marginalisé dans la société traditionnelle de la prémodernité ou dans, dans le projet de la postmodernité. Et c'est très important. Si on rejette maintenant l'individu comme la mesure des choses, comme la figure centrale du libéralisme, donc on doit en même temps s'obstiner de faire l'appel à la classe, ou à la race, ou à la nation, ou à l'État. Donc, qu'est-ce que peut être choisi comme le sujet, comme l'acteur de quatrième théorie politique. Je crois que le candidat plus intéressant, ça sera la figure de Dasein. Dasein heideggerien, l'être là, qui n'est pas ni individu, ni classe, ni l'État, ni nation, ni race. C'est Dasein, c'est la présence concrète, existentielle de quelque chose pensant, selon Heidegger. Donc, peut-on créer ou développer la théorie politique autour d'Asein? C'est bien la question à répondre. Et mon livre, consacré à la quatrième théorie politique, proprement dit, explore cette possibilité, et dont la critique des trois théories politiques existantes de la modernité cherche à ouvrir les portes et invite les autres à faire le même dans, pour la création de quelque chose de nouveau basant sur l'idée de Dasein. Le Dasein comme catégorie qui devra être la base de la certaine idéologie politique. Heidegger lui-même ne pensait pas dans ce sens, mais on peut utiliser Heidegger et son analyse existentialiste pour création de cette quatrième théorie politique qui devra être anti-libérale. C'est en quelque sorte la libération du libéralisme, parce que le libéralisme aujourd'hui s'ouvre comme quelque chose qui limite la liberté de l'homme en ces concepts limitants et avec sa négativité découverte maintenant, désormais. Donc, je crois que ce n'est qu'invitation de penser dans ce sens qui représente mon livre, Quatrième théorie politique, qui est traduit maintenant en anglais, en portugais, en persan aussi, qui s'est apparu en russe et qui est en train d'être traduit aussi dans la langue italienne, romanienne et les autres. On fait en Russie la revue régulière qui s'appelle La 4 théorie politique, où on publie les textes
qui correspondent plus ou moins à ce sujet de recherche. On a publié déjà 4 grands numéros, 4 volumes, et je crois que ce sort des recherches et des spéculations théoriques sur la possibilité et la nécessité de la quatrième théorie politique, c'est vraiment quelque chose de central pour notre moment historique, par les raisons que j'ai essayé d'expliquer. À propos de la Russie, ce n'est pas la chance que ce sont les auteurs russes qui posent la question, sur la quatrième théorie politique, parce que la Russie se trouve maintenant dans une situation historique assez particulière. Donc, la Russie a rejeté communisme après l'avoir expérimenté. Et nous avons passé par certaines séductions de socialisme et communisme, et nous avons vu les pires et les meilleurs côtés de cette idéologie antilibérale. Maintenant, on a aussi l'expérience de 20 ans de libéralisme. Et c'est évident, c'est bien clair que la société russe actuelle rejette totalement le libéralisme occidental. Donc nous avons issu de socialisme, nous avons rejeté le socialisme, nous avons rejeté maintenant l'expérience libérale. Donc le libéralisme pour nous c'est une chose inacceptable, et toutes les élections montrent que notre peuple, notre société, rejette totalement tous les partis libéraux occidentalistes. Mais, dans la situation de la Russie actuelle, faire l'appel à la troisième théorie politique, au fascisme, au communisme, ça serait, c'est peu probable par les raisons diverses. Par exemple, parce que notre société est polyethnique et polyconfessionnelle, donc nous ne pouvons pas imposer à tout une seule identité, parce que nous sommes en présence d'identités plusieurs. Donc l'approche raciste est à exclure aussi par les raisons morales et historiques, parce que nous avons lutté, nous les Russes, les Soviétiques, nous avons lutté contre un Troisième Reich. À propos de l'État, aussi c'est l'idée, disons, l'État-nation, c'est l'idée moderne, capitaliste, et si nous voulons de créer l'État-nation, d'un type européen, nous devons aussi écraser la multitude des ethnies, des cultures ethniques, des langues ethniques. Mais notre société russe est polyculturelle. Donc, on se trouve dans une situation assez difficile. On ne peut pas revenir au socialisme par une raison. On rejette d'une manière empirique le libéralisme occidental. On ne peut pas choisir, par les raisons différentes, la troisième position, troisième voie. Donc, à quoi faire? Et donc, c'est le problème de Poutine et de notre société. C'est le problème actuel. Ce n'est pas seulement des raisonnements académiques, théoriques, abstraites. C'est le défi de temps où la Russie réussit à construire la quatrième théorie politique, non libérale, mais adaptée à nos demandes historiques, où la Russie n'existera plus. Parce que dans le projet libéral, le pays perdra définitivement l'identité propre, et s'éclatera. Et ça sera la fin de la Russie, comme c'était la fin de l'Union soviétique. C'est bien clair pour tout le monde chez nous. Si on fait
l'essai de retourner vers l'expérience soviétique, ça ne marchera non plus. Donc, c'est à exclure. Si nous allons à construire l'État-nation d'un type européen, ça sera la grande réaction des peuples, des ethnies et des minorités, surtout les minorités musulmanes. Donc, qui jamais n'accepteront ça. Donc, même par les raisons pragmatiques, toutes les trois solutions ne marchent pas. Donc, il ne reste que la quatrième théorie politique. Donc, pour nous, c'est quelque chose absolument actuel, indispensable, et je crois que c'est la raison. C'est que pour les autres pays, peut-être, ça serait, à mon avis, assez important de penser au moins sur la possibilité de l'alternative. Mais le libéralisme est plus ou moins assimilé par les sociétés occidentales où il était né. Mais pour la société russe, par la société russe, on ne peut pas assimiler, on ne veut pas assimiler. On ne veut pas assimiler le libéralisme. Donc c'est le problème, mais c'est la différence. Pour nous, c'est la question de la vie ou de la mort. Pour les autres pays, je pense que l'urgence de la quatrième théorie politique dépend de la situation, dépend de cas. Mais finalement, pour beaucoup des sociétés non occidentales, à mon avis, c'est aussi, ça possède grande actualité. Et pour la dissidence, je pourrais dire, pour le cercle non conformiste, anti-hégémonique de l'Occident, ça serait aussi, à mon avis, quelque chose qui obtient actualité directe, parce que on doit se rendre compte que en refusant le libéralisme, mais en faisant l'appel au socialisme, au nationalisme, on va à perdre, hein, mais en même temps, on renforcera de même geste le libéralisme. Donc, on ne peut pas être tellement bête de répéter la même chose destinée d'avance à être perdue. Et très important aussi, ce passage entre, disons, l'idée du national-bolchevisme ou de synthèse de la gauche et de la droite contre le libéralisme, le passage vers la quatrième théorie politique. Il faut quitter la modernité. Dans deux sens, dans le sens de la pré-modernité et dans le sens de la post-modernité. Ce mariage entre la pré-modernité et la post-modernité, c'est vraiment passionnant à mon avis, et c'est vraiment le défi intellectuel à tous les cercles non-conformistes. Et pour en finir avec ce sujet, je crois qu'il ne faut pas considérer la quatrième théorie politique comme quelque chose déjà fait. Ce n'est que l'invitation, ce n'est que, disons, première approche, ce n'est que l'intuition idéologique ouverte pour tous les autres. Donc il n'y a rien de certain là. Et si on propose, par exemple, Dasein comme le sujet de quatrième théorie politique, on peut, disons, imaginer, continuer à imaginer les autres candidats, disons, pour ça. Tout ça est ouvert. Ici, on partage la première partie, disons, du discours. On déjà se trouve dans la quatrième théorie politique, parce que on ne doit pas apprendre automatiquement tout l'autre, parce que tout le reste, parce que on est invité de penser en avant, de penser, de créer quelque chose, de réveiller l'imagination. Je suis sûr que ça commence à partir de la Russie, mais ce n'est pas seulement la Russie que cette initiative concerne. C'est vraiment quelque chose d'universel dans l'état actuel du chose, quand le libéralisme nous attaque d'une manière planétaire, globalement, et on doit donner la réponse planétaire aussi.